Yo. Veient de la chine. Yo. Maman, via. Elle la tire à lui. À elle. Voilà donc un témoignage d'affection très émouvant, hein, et qui montre qu'il y a ce lien fort qui existe entre ces deux individus et qui est évidemment lié possible parce qu'il y a une capacité de reconnaissance instantanée de la personne qui se penche au-dessus de cette dame qui est en train de mourir. Et donc, voilà, ils ont des émotions comme nous. C'est vraiment très, très semblable. Hein. On aura exactement les mêmes réactions si on retrouvait une vieille personne à laquelle on était très attaché au moment d'une période difficile de son existence. Soulagement, réconfort, hein. On le voit très clairement. Un autre exemple que je trouve assez sympa, c'est toujours le même film de Disney. Et je ne me rappelle plus à partir de quel moment je lance la séquence. En fait, il y a des braconniers qui se promènent dans la forêt, puis il y a une maman qui est tuée. Et le jeune, il reste tout seul. Ah, c'est toujours le côté énervant Disney, là. Hein. On oublie. Ouais, j'aurais pu mettre... Ouais, je vous laisse toute la séquence, c'est un peu long, on perd un peu de temps, hein, mais on comprend mieux ce qui se passe. Ouais, ça ressemble à tout point à nos propres bébés, hein. L'exploration de l'espace, tout ça. Voilà, le drame arrive. Il est tout seul, le pauvre. C'est un mâle en l'occurrence. Il va s'occuper de ce petit orphelin. La personne qui lui dit de le faire. Hein. Donc, voilà, cette espèce de brute épaisse, cette image de brute épaisse qu'on avait de ces animaux il y a un siècle, disons. Aujourd'hui, il s'est complètement transformé pour quelque chose de très semblable à ce qui se passe chez nous, quoi. Une affection pour cet animal. Le mâle comprend la détresse de cet enfant, son équipe. Et grâce à ce mâle qu'elle adopte véritablement, ben, ce jeune, il va pouvoir grandir normalement, on va dire. Hein, à la fois grandir pour des raisons matérielles, mais aussi pour l'affect que le mâle va lui apporter. Hein, vous le savez maintenant, enfin tout le monde le sait, je crois aujourd'hui, que sans affection, un enfant ne se développe pas correctement, voire pas du tout. Bon, j'ai pas trouvé de séquences de tromperie, mais les primates, les grands primates, sont capables de tromper leurs congénères, de faire des choses dans leur dos, comme nous, hein, de mentir, de faire croire autre chose que ce qu'ils font, etc. Alors, évidemment, il faut un travail d'observation continu pour pouvoir mettre ce genre de comportement en évidence. Ça a été fait. L'habileté, on l'a déjà vu dans une précédente leçon. Hein, c'est cette fameuse histoire où un chimpanzé trouve la solution pour sortir une graine au fond d'un tube avec de l'eau. C'est, moi, je pense que
un certain nombre d'humains n'aura pas été capable de trouver cette solution. Hein. Bon, il avait faim, enfin, en tout cas, ils sont leur grand, disons, une grande partie de leur motivation à faire des choses est mue par la faim, par le besoin de se nourrir, quoi. Hein. Et ici, une autre séquence qui donne même le sentiment qu'ils ont une meilleure mémoire que nous. Hein. Ils ont un cerveau trois fois plus petit que le nôtre, mais regardez la performance que réalise un chimpanzé ici. Professeur Tetsuro Matsuzawa, de l'Institut de recherche sur les primates de Kyoto, au Japon, a élaboré un test de mémoire pour les chimpanzés. Son meilleur élève a 7 ans. Quand on lui montre sur un écran des chiffres de 1 à 9, il les fait disparaître dans le bon ordre, un à un. Chaque fois qu'il réussit, il reçoit une récompense, un morceau de pomme ou un raisin sec. Bah, il faut le motiver quand même. Hein. Mais ensuite, les chercheurs augmentent la difficulté. Dès que le chimpanzé appuie sur le chiffre 1, les autres chiffres sont masqués. Il doit se rappeler où se trouve chaque chiffre et appuyer sur les carrés blancs dans le bon ordre. Les chiffres sont affichés de façon totalement aléatoire. Pourtant, il réussit à chaque fois à la vitesse de l'éclair et avec une précision de 100%. Essayez de faire comme lui. Peut-être qu'on a un cerveau trop gros pour faire ça, d'ailleurs. Alors ça, c'est une très bonne question. En tout cas, ils savent reconnaître les signes. Mais moi, je proposerais cette hypothèse qui est que comme nous, alors il faudrait évidemment faire une expérience avec, par exemple, des gens qui ne savent pas compter, avec des analphabètes. Mais comme nous, on sait compter, on cherche du sens. On cherche 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, il fait juste reconnaître des formes. Et justement, cette expérience permet d'aborder le sujet du langage. Hein, parce que avoir le langage ne donne pas le même accès au monde extérieur que quand on ne l'a pas. Il y a peut-être des processus cognitifs qui sont ralentis par le langage. Vous voyez ? Parce qu'on doit passer par le sens. Donc ce film, il est très intéressant pour ça. Et une image... Oui ? Est-ce qu'il y a une analogie à faire avec les personnes autistes ? Alors, je n'ai pas la réponse. Mais oui, on l'a déjà évoqué, les personnes autistes sont capables de compétences tout à fait exceptionnelles. Ouais. Il y a des voies de la mémoire visuelle qui ne sont pas les mêmes quand on parle ou quand on ne parle pas. Peut-être. Hein. Mais enfin, en tout cas, une différence. C'est super intéressant d'observer ce genre de choses, mais on n'a pas l'explication. Hein. Voilà. Mais ça montre qu'il y a des choses qui font bien mieux que nous. Là, en l'occurrence. Et puis, ce film, alors on ne va pas le regarder parce qu'il y en aura pour une heure. Il est formidable. Vous le trouvez sur Arte, sauf erreur. Non, sur YouTube, mais c'est un film qui avait été diffusé par Arte sur l'intelligence animale. Et là, vous avez un petit perroquet qui est capable d'ouvrir un système de serrure extrêmement compliqué. Et ça montre que les oiseaux ont des capacités cognitives souvent aussi très, très, très développées. Je ne vous parle pas des pigeons. Hein. Pigeon, ça a l'air assez bête. Se faire écraser sur une autre par un vélo, il faut le faire quand même. Mais les canaris, les perroquets sont capables de capacités cognitives absolument remarquables. Alors finalement, qu'est-ce qui reste comme différence cognitive entre eux et nous ? Avec ces différentes tailles de cerveau. Ils ont tous les deux soins maternels, partage de la nourriture, dissimulation, adoption, interdit sexuel, représentation mentale complexe, hein. Chasse, guerre, meurtre, outils, diversité culturelle, communication, une théorie de l'esprit aussi, on l'avait évoqué tout ça. Donc on partage tout ça avec les grands primates. Et la seule différence, en fait, c'est que l'un va parler et l'autre ne parlera jamais. Avec ces différences. Ah, mais j'ai mis 1,2 kg là. Et pourquoi l'un parlera et l'autre ne parlera pas ? Ben, c'est sans doute lié à notre cerveau, à son organisation, à son volume peut-être. On parle de capacité émergente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une rupture
une espèce de disruption qui se produit au niveau de la quantité. Tout à coup, quand quelque chose est présent en très grand nombre, il y a une nouvelle propriété qui émerge. Alors ça n'explique rien, mais ça donne simplement l'idée que parce qu'il y a un grand nombre de choses, ça donne une capacité nouvelle. On voit ça, on utilise le mot de disruption d'ailleurs beaucoup à propos de l'informatique. C'est vrai que l'informatique, de par son utilisation massive, introduit des disruptions dans le fonctionnement de la société. Alors c'est peut-être un peu quelque chose de cet ordre qui se produit au niveau du cerveau. Voilà, alors peut-être que moi je vous ai dit ça aussi tout au début que j'ai commencé à donner ces leçons. Je suis spécialiste de rien, curieux de tout. Donc il y a peut-être des spécialistes qui pourront vous en dire davantage, mais je crois qu'une explication définitive de la raison pour laquelle nous on est capable de parler et eux pas, on les a pas. Donc on va s'interroger maintenant un peu sur ce qu'est le langage. Alors, est-ce que j'ai déjà mis une réponse ici, c'est vrai qu'il faut que j'avance un peu. Est-ce que c'est un simple support de communication? Bien sûr, c'est un support de communication. Mais je voudrais juste rappeler ici que plein d'animaux communiquent, pas de la même manière que nous, mais ils savent se communiquer des choses souvent fort complexes, comme par exemple, pour les abeilles, la présence d'un champ en fleurs dans une certaine direction. Sans même parler des mammifères supérieurs qui communiquent de manière très sophistiquée entre eux. Encore une fois, c'est parce qu'il y a des éthologues qui sont allés sur le terrain étudier ces animaux qu'on sait tout ça. Ça fait un siècle et demi, disons, deux siècles, un siècle et demi, les études d'éthologie animale ont commencé à apparaître et ça s'est développé surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant, on prenait les animaux vraiment pour des bêtes. Exactement. Et on était persuadé qu'il y avait cette frontière absolument infranchissable entre eux et nous. Et aujourd'hui, c'est clair que cette frontière, elle est beaucoup plus perméable, en tout cas, voire transparente, voire dans une certaine mesure inexistante entre eux et nous. Et puis, on est même capable d'apprendre des mots à des animaux comme les chiens. Il paraît qu'ils en maîtrisent à peu près 300. Donc, un chien comprend 300 mots différents. Est-ce qu'il est capable de répéter ces mots? Non. Et évidemment, il n'est pas capable de les répéter. Par contre, chez les corvidés et les perroquets, enfin surtout chez les perroquets, il y a cette capacité extraordinaire d'imitation de la parole humaine. Alors moi, je vous encourage, si vous avez un week-end à occuper, à aller voir le refuge à Gentot où il y a des perroquets. J'ai fait ça il y a quelques temps. Je me suis arrêté devant une cage où il y avait justement un perroquet gris comme ça. Comment il s'appelle déjà? Pardon? Ouais. Et quand on est en face de lui et il commence à vous parler, vous avez l'impression qu'il donne du sens à ce qu'il raconte. C'est dans un contexte, il reconnaît, il donne le nom de la personne qu'il connaît, etc. Donc, capacité cognitive très, très, très surprenante. Alors, je ne dirais pas qu'il est capable de philosophie, encore que. Et une des raisons pour lesquelles ces animaux ont cette capacité cognitive très développée, c'est parce qu'ils ont un cerveau avec une densité de neurones 4 fois supérieure à la nôtre. Et ça explique sans doute qu'ils sont capables de faire des choses aussi étonnantes avec un cerveau plus petit que celui d'un primate, de taille comparable. Et là, une petite planche avec les tailles de cerveau d'oiseaux. Donc quand on dit cervelle d'oiseau, il faut évidemment préciser de quel oiseau on parle, parce que si on parle des gros oiseaux, ils sont sacrément malins, quoi. Et donc, de nouveau, ça, comme les oiseaux sont des descendants des dinosaures, peut-être que les dinosaures, aujourd'hui, on l'a identifié, sont des animaux à sang chaud, donc finalement plus proches encore qu'on imaginait des oiseaux, étaient peut-être pas du tout des espèces de brutes épaisses comme on les décrit ici dans les films de paléontologie, enfin de préhistoire. Et bien sûr, la présence humaine est anachronique, à moins qu'il s'agisse de ce film, comment il s'appelait déjà, Jurassic Park. Donc sans doute que les dinosaures, ils étaient plus malins, en tout cas certains dinosaures, ceux qui avaient un cerveau assez développé, étaient
beaucoup plus malin qu'on l'imagine aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est une façon de remettre en question une série de préjugés qu'on a sur ces animaux en général, et ici les dinosaures en particulier. Alors si on prend le monde de Campbell, je ne vais peut-être pas m'attarder trop là-dessus, mais simplement, des chercheurs ont identifié qu'ils utilisent des sons pour désigner des objets tout à fait précis. Ils font hawk, et puis ils veulent dire aigle avec ça. Hein, et puis ils arrivent même à articuler les mots un petit peu entre eux. Mais évidemment, c'est très très limité. Alors je vous les fais pas écouter, parce qu'on passerait trop de temps dessus. Là, je vois que... Il y a déjà une demi-heure qui est passée. Mais, voilà, on entend les sons quand même. Crac, c'est un léopard. Enfin, bref. Je ne savais pas que ça allait plus vite. Si j'appuie sur le bouton. C'est des mots qui ont donc un sens tout à fait précis pour ces animaux. Et personne ne leur a appris ça. Hein. C'est une espèce de convention qui s'est mise en place. Et voilà, donc ils ont une forme de langage... assez primitif, bien entendu. Leur vocabulaire n'est pas d'une grande richesse, mais peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas besoin d'autres mots pour communiquer des informations entre eux. Et puis, bien sûr, il y a les chimpanzés, et vous savez, comme moi, qu'on a beaucoup cherché à les faire parler. Et en particulier, une certaine Kanzi, une chimpanzée qui a été élevée depuis son plus jeune âge par Sue Sauvage Runbach, qui est mentionnée sur cette diapositive, et elle a réussi à lui faire apprendre un millier de signes, donc un vocabulaire de quelques mille mots, ce qui est quand même assez considérable. Et elle a réalisé toutes sortes d'expériences avec ce singe, avec Kanzi. Donc, par exemple, elle lui demande de faire des choses. Dans ce petit film, si tout va bien, il devrait se lancer. C'est sur, depuis Internet que ça se lance. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Ça marche pas ? Hop. C'est quoi le signe, là ? Ah ! Peut-être qu'on n'a pas Internet. Je regarde juste. Ah non, on n'a pas Internet. Ville de Genève. Ah non, ils vont me demander un numéro, machin. Alors je fais avec mon téléphone. Je pourrais faire mieux. Comment je fais déjà ? Désolé pour la technique. Mais quand on l'a, il faut l'utiliser quand même. Donc. En fait, encore faut-il que j'ai assez de débit sur mon téléphone. Ça a l'air de marcher. Je relance tout ça. Voilà. Hop. Ah non, pourquoi il passe à la suivante là ? Mais elle est où la flèche ? Au milieu. Oui, ouais, je sais, mais comment j'y vais, moi ? Parce que moi, je n'ai pas tout à fait le même écran que vous. Voilà. Ah, voilà. Hop. Alors, il faut que j'allume le son encore. Oh là là. On va y arriver. Ah oh non. Ici, il faut le mettre à droite de toute façon. Là, il y a les deux. Pour cliquer sur le... Parce qu'il n'y a pas le son. Là. Mais alors, pourquoi j'ai pas le son, là ? Oui, mais à gauche, tout à fait à gauche, en bas, il faut cliquer. En bas, ah oui, là. Il faut cliquer, là, oui. Voilà. Mais j'ai toujours pas le son. Il est trop faible. Il est trop faible, vous croyez ? Ouais. Alors, mais avant ça marchait, c'est ça que je trouve, comprends pas. Oh, bon, attendez, je fais comme ça.
Puis après, on arrête, hein, d'accord. Voilà, il faudrait l'amener ici, vous avez raison. Mais c'est bizarre parce que voilà, et là j'ai pas le son. Donc voilà, j'aurais dû le tester aussi avant, mais ça marche pas. Pourquoi ? Parce que là c'est en gris et c'est ça qui est bizarre. Ben en fait, ça, c'est directement relié à YouTube. Bon, ben, sinon, tant pis. Je réessaye encore une fois. En fait, elle lui donne des consignes et puis le singe les réalise. Elle lui dit, mets du sel sur le ballon, par exemple, ou donne-moi ça. C'est évidemment mieux quand on voit la chose réalisée, mais tout ce qu'elle lui demande de faire, il le fait. Donc il comprend parfaitement les consignes, une phrase avec un verbe, une action, donc, et des objets, et il comprend, il fait exactement ce qu'elle lui demande. Alors il faut dire que Kanzi était particulièrement doué, hein, comme on l'a déjà évoqué. Tous les animaux, tous les humains non plus d'ailleurs, n'ont pas les mêmes capacités cognitives. Il y a une très grande variabilité, mais Kanzi était spécialement doué pour faire un certain nombre de choses. Alors voilà, bon, toute façon, je vous enverrai le PowerPoint, vous retrouverez les liens, et puis vous pouvez regarder à la maison, comme c'est quand même intéressant de voir comment on a cherché à faire parler ces chimpanzés, et celui-là en particulier, oui, Claude. Alors, le plaisir, c'était qu'il y avait souvent des récompenses au bout. Hein, et je pense que dans un certain nombre de cas, comme les chiens, on les dresse avec des récompenses, puis au bout d'un moment, ils le font même sans la récompense. Il faut quand même la donner de temps en temps pour leur rappeler que voilà, c'est une bonne action, mérite récompense, mérite salaire. Et je vous signale exactement, nous ne fonctionnons pas autrement. Hein. C'est exactement pareil. Alors, c'est peut-être un peu plus littéral chez les animaux, mais et nous, on met plus de paroles. Voilà, nous, on met des mots autour. Hein, on a l'impression que le but, c'est pas ça, mais ça allait quand même. Hein, on arrive à mieux mentir encore que les animaux, mais en réalité, c'est pour satisfaire des besoins élémentaires de plaisir, d'ego. Voilà. Et puis, alors, cette séquence aussi, elle était amusante parce qu'on peut même lui dire des choses par téléphone. Donc, il n'a pas besoin d'être en présence de la personne pour comprendre les phrases. Mais c'est un test qui a permis de démontrer qu'il comprend vraiment juste les mots. Hein. Ce n'est pas la gestuelle de l'individu, les mouvements de la lèvre qui sont à l'origine de sa compréhension, mais vraiment les mots. Hein. Il a le sens, la compréhension des mots. Voilà. Et puis, la dernière séquence, elle était un peu plus... Enfin, on la connaît déjà pour avoir vu ça chez un plus petit animal. On lui fait aussi fabriquer des silex. On lui fait tailler des silex. Ah, mais là, j'ai le son tout à coup. Faut le faire quand même. Hein. Moi, je me ferais mal aux doigts en faisant ça. Bon, voilà. Ils sont capables de fabriquer des silex. Et ça nous rappelle une petite vidéo que je vous ai montré déjà d'un petit capucin qui arrivait aussi à tailler des silex. Hein. Donc pour tailler des silex, c'est intéressant sur le plan d'interprétation ou de l'émergence, de la compréhension de l'émergence du langage au cours de l'évolution. Quand on a associé des fossiles à des silex taillés, on dit voilà, c'est la première forme d'hominidée où voilà, on est sur la lignée humaine, puis en réalité non, peut-être pas, hein. Encore une fois, comme on n'était pas là, on n'en sait rien, on ne peut pas avoir un avis définitif sur la question, mais on peut faire des choses très sophistiquées sans le langage. Et surtout on voit bien quand on rentre dans la mentalité, enfin quand on essaye, ça c'est un exercice difficile, mais ça vaut quand même la peine de le faire, d'essayer de se mettre à la place de ces animaux, d'être dans sa tête et d'imaginer ses actions, ses réalisations sans les mots, sans les phrases. Hein, parce que
vous, dans votre tête, quand vous allez faire quelque chose, souvent, pas toujours, je pense d'ailleurs, hein, mais c'est, toutes ces réflexions-là, à mon avis, sont pertinentes pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre tête. Vous dites les choses, je vais faire la cuisine. Hein, langage intérieur, je vais faire la cuisine. Alors, on ne prononce pas les mots, mais quand même, ça déclenche tout un monde de représentations, d'actions à réaliser, etc. Donc, on appuie beaucoup nos actions par le langage, au point où, d'ailleurs, ça devient handicapant. Hein, quand le langage prend trop de place, la répétition, pour des raisons affectives, émotionnelles, de stress, ça devient trop envahissant. Puis, on essaye justement de faire en sorte que ce langage intérieur se calme. Mais bref. Essayez d'imaginer comment on peut faire toutes ces actions réalisées par ces animaux, ces animaux qui ont donc une capacité cognitive développée, sans le langage. On peut faire beaucoup de choses sans le langage. Hein. Nous, on a le langage. Et là, peut-être une chose très importante à souligner, c'est que c'est d'ailleurs un Genevois qui avait noté ça, Ferdinand de Saussure, un grand linguiste, c'est pas le premier, hein, il y en a eu d'autres, mais il a fait des choses importantes ici à l'université de Genève sur le langage, et il a dit cette chose absolument fondamentale, qui est que le son et le sens se confondent. On ne peut qu'artificiellement distinguer l'image acoustique d'une idée et son concept. Donc quand on entend un mot, qui est un son au départ, on associe ça immédiatement à un objet, à un concept, à quelque chose, à une représentation de quelque chose. C'est immédiat, c'est instantané. Alors, je pense que typiquement, si on arrivait à le mesurer en termes de traitement neurobiologique, il y a forcément une petite fraction qui s'écoule. Hein. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas simultané totalement, mais ça va très très vite. En tout cas, ça va suffisamment vite pour que quand une personne vous parle, vous compreniez instantanément ce que cette personne est en train de vous dire. Et c'est une capacité cognitive absolument incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'être capable de faire... On essaye de faire ça avec les robots, on a beaucoup de mal et je pense qu'on aura toujours beaucoup de mal à leur faire faire des choses comme ça. Mais nous avons cette capacité absolument exceptionnelle de tout de suite transformer des sons en représentations. Son concept, objet. Et puis, bien évidemment, quand les mots s'enchaînent, quand on forme des phrases, récit. Récit. Et il y a un texte que j'ai trouvé pas mal pour... tiens, il y a des choses que je ne voulais pas vous montrer, mais pour l'image suivante, on sauterait. On va réfléchir aussi un peu sur l'émergence du langage. Et on peut dire que le langage, c'est la première domestication de la nature. Hein. En fait, l'acte de nommer n'a rien de naturel. Hein. Pourquoi est-ce qu'on donnerait des noms à des choses? Bien sûr qu'il faut qu'il y ait la capacité, mais après, comment ça s'est passé historiquement? À partir de quel moment on en a donné des... On le voit un peu avec ces moines de Campbell là, qui tout à coup fabriquent des sons, ils associent... Donc, à un moment donné, peut-être que tous les primates sont plus ou moins capables de ça, mais chez nous, c'est devenu infini. On ne l'a pas fait pour quelques éléments importants de la vie quotidienne, mais on l'a fait pour l'ensemble des objets. Mais on l'a fait pour des choses pour lesquelles on avait forcément un intérêt. Hein. C'est une décision humaine intelligente. C'est une capacité. Ce n'est pas qu'on a un besoin, mais on est capable de le faire. C'est la première étape de la pensée scientifique et de la pensée tout court. Alors ça se discute justement, la pensée tout court. Et c'est là où c'est difficile, cette affaire de langage. Parce qu'on voit bien que les chimpanzés pensent. Mais ils pensent sans mots. Nous, on pense avec les mots. Hein? Donc on est capable de conceptualiser des choses. Mais le fait d'avoir des mots permet peut-être d'aller plus loin. Enfin, permet évidemment d'aller plus loin dans la conceptualisation. Alors de nouveau, c'est peut-être pas une affaire de qualité vraiment, mais c'est de nouveau une affaire de quantité. On peut le faire pour beaucoup, beaucoup de choses. Pardon ? Alors, bon, on ne sait pas si Touma a été capable de parler. On reviendra là sur cette question. C'est quand même intéressant d'essayer de la traiter.
L'homme n'a pas nommé dans l'ordre d'arrivée tout ce qui lui a tombé sous les yeux. Toute nomination est un choix, une étape vers la conquête d'une nature à laquelle la pensée de l'homme impose une organisation. Et c'est ça qui est intéressant. Le langage organise la nature, organise l'environnement. Et on n'a plus la même perception de la nature, de l'environnement, à partir du moment où on peut mettre des mots sur les choses. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que vous pensez que... Enfin, moi, je pense que c'est important de comprendre ça. On pourrait dire, par exemple, hein, là, je spécule évidemment à mort, enfin, je spécule beaucoup, les chimpanzés ont une vision holistique des choses. Et nous, on a une vision coupée par les mots qu'on donne aux choses. Hein, ce qui procure un avantage, mais aussi un inconvénient, comme on va le discuter. Hein. Ça nous tranche la réalité en morceaux, le langage. C'est le langage qui fait ça. Hein, c'est pas notre esprit tordu. Non, c'est le langage qui coupe la réalité en morceaux, en mots en réalité. Hein. Absolument. Et ça, j'allais aussi y venir plus loin. Alors, sautons Herder. Simplement, Herder, c'est un des premiers à penser ça. Oui. Je suis pas sûre d'avoir compris la phrase de Saussure. Par exemple, si vous dites table, je pense forcément à repas ou je pense à l'objet. Vous pensez à table. C'est ça l'idée. Le son est l'objet. Voilà. Le concept et le son, enfin c'est un son modulé, c'est pas juste A, B, mais c'est une articulation de son. Ça vous évoque tout de suite un objet. C'est instantané. C'est automatique. C'est en fait un apprentissage, on pourrait dire même un conditionnement hein, qui se fait très facilement chez le nouveau-né, qui apprend très vite un mot. Mais on a cette capacité d'associer, si je vous dis bouteille, vous savez de quoi je parle. Ça va dans l'autre sens. Si on voit l'objet, on arrive à donner le nom. Absolument, ça va dans les deux sens. Ouais. Et ici, il y a quelque chose d'intéressant. De nouveau, c'est difficile. Moi, je n'ai pas résolu le problème non plus, mais c'est quand même intéressant d'essayer de réfléchir à ça. Alors, Vygotsky, qui était un psychologue concurrent d'ailleurs de Piaget, célèbre russe, qui dit ceci de la pensée et du langage. La pensée n'est pas seulement exprimée avec des mots, elle vient à l'existence à travers des mots. Donc, c'est l'idée qu'on est capable de penser que parce qu'on a les mots. Et ça, il pouvait le dire à la fin, au début du XXe siècle, plutôt, la fin, non, début, de 1933, parce qu'on n'avait pas observé les capacités cognitives des grands primates en particulier, sans parler des autres, bien entendu. Ils ont une pensée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pensée ? Et c'est peut-être plus, de nouveau, une affaire de pensée plus ou moins élaborée, plus ou moins... réifié, pour utiliser ce terme, plus ou moins symbolique. Et c'est ça qui est intéressant. Alors juste, souvent, hein, moi j'ai eu un cours de préhistoire, puis on m'a dit, ouais, à partir d'un certain moment, il y a le langage qui émerge et ça donne accès à la symbolique. Bon, ok, d'accord. Mais il faut en parler dans le détail pour essayer de saisir ce que ça signifie d'être capable d'avoir accès au symbole. Voilà. Donc voilà, pour Vygotsky, la pensée est permise par le langage. Et plus récemment, un certain Lakoff a dit en 2001, les mots prennent sens à partir des schémas mentaux sur lesquels ils sont greffés. C'est-à-dire qu'il y a quand même une activité cognitive sur lesquelles on met des mots à un moment donné. Mais vous voyez, c'est très subtil et c'est très difficile d'accès tout ça. Mais quand même, c'est intéressant, à mon avis, d'avoir ces idées en tête pour... se rendre compte ce que signifie d'être capable de parler. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très important de faire cet exercice au moins une fois dans sa vie pour se mieux prendre conscience de ce qu'on possède et des effets que cet outil nous procure. Alors, c'est un peu de ça dont on va parler maintenant. Avec ces trois dimensions du langage, alors, ces trois dimensions du langage sont l'infinité discrète, le déplacement et l'attention conjointe. Ça, c'est sur un site de cours en ligne que j'ai trouvé ça. C'est des Hollandais qui avaient produit ce MOOC sur lequel vous pouvez les voir. Il y a des choses intéressantes. Et c'est vrai que ce sont trois éléments très, très importants à garder à l'esprit. Infinité discrète, qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, les mots sont des sons. Hein, on appelle ça aussi des phonèmes. Merci, exactement. Il y a un ensemble de sons. Chaque langue a un ensemble de sons de base qui s'articulent entre eux pour former des mots. Et en réalité, vous pouvez former autant de mots que vous voulez. Hein. Mais il n'y en a pas autant qu'on veut. Pourquoi ? Ben, il faut bien qu'on se comprenne. Donc, on ne peut pas se mettre à imaginer des mots tout seul dans son coin parce que on ne serait pas compris. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, j'ai déjà observé ça, des enfants, entre eux, se développent leur propre langage avec leurs propres mots. Hein, c'est intéressant. Et ils se comprennent très, très bien. Donc, c'est uniquement la norme sociale qui fait que notre vocabulaire est finalement assez limité. On dit en français, sauf erreur, il y a 100 000 mots ou 200 000, je ne sais pas. C'est beaucoup, certes, mais en même temps, ce n'est pas tant que ça. Ça aurait pu être des millions. Alors après, évidemment, il y a des problèmes de capacité cognitive à gérer autant de mots. Moi, j'ai du mal à trouver les miens parfois. Donc j'imagine que quand on a un million à articuler, ça devient encore plus problématique. Voilà, donc, mais en théorie, on peut faire autant de mots, autant de concepts qu'on veut. C'est infini. Hein ? Déplacement. Pourquoi le déplacement ? Les mots permettent de voyager dans le temps et l'espace. Avec les mots, on peut aller sur la Lune. Jules Verne n'a pas hésité à le faire. On peut aller à 10 000 lieues sous les mers, pour continuer avec Jules Verne. On peut aller dans le passé, on peut aller dans le futur, on peut imaginer une vie sur Mars, on peut raconter l'histoire de Jules César. Hein, et donc, le langage permet le déplacement dans le temps et dans l'espace, ce que les animaux ne sont pas capables de faire. Si, sûrement, ils ont une mémoire, donc ils sont capables d'aller dans le passé. Sûrement aussi qu'ils sont capables d'anticiper des choses. Mais ça, c'est de nouveau très difficile à le mettre en évidence. Je sais, par exemple, que les chimpanzés savent quand un arbre dans leur forêt où ils habitent a des fruits qui sont mûrs, et puis un jour, ils y vont, et puis les fruits sont mûrs. Ils anticipent ça. Ils ne vont pas tous les jours regarder. Ils savent qu'au bout d'un certain temps, les fruits sont mûrs. C'est l'expérience qui leur a appris ça, et donc ils sont capables aussi d'anticiper. Et ils n'ont pas les mots pour le dire. Ils ont peut-être des sons enfin, qu'on ne comprend pas. Donc, restons quand même modestes hein, au niveau de l'interprétation de ce qu'ils sont capables de faire. On ne peut pas être vraiment dans la tête d'un chimpanzé. Et puis, l'attention conjointe, c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est que quand moi je parle, vous me comprenez immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'un processeur. Siri, s'il te plaît. Alors, Siri rame un moment, puis vous répond. Non, c'est instantané. Hein ? Et c'est en même temps, vous pouvez même parler en même temps que moi. C'est tellement rapide, c'est tellement performant. Mais il y a quand même un dispositif neurobiologique qui permet ça. Moi, je suis un matérialiste pur et dur. Il y a de la matière à la base de tout ça. Il y a de la biologie, il y a du vivant, la matière vivante à la base de tout ça. On n'a pas du tout décortiqué le fonctionnement physico-chimique de la pensée, bien sûr, mais on peut évidemment, à partir du moment où on est matérialiste, imaginez qu'il y a un comportement de la matière qui permet de faire ça, en définitive. Alors, regardons un peu les choses dans le détail. Articulation des sons, donc les phonèmes, comme on l'a dit tout à l'heure. En français, il y a 16 voyelles, 3 semi-consonnes, 20 consonnes, 3 cas particuliers, et donc une infinité de mots possibles. Et il n'y en a pas une infinité. Alors, si vous voulez voir dans le détail, vous allez sur Wikipédia, il y a toute la liste des phonèmes hein, qui sont limités pour le coup. On pourrait imaginer qu'on en invente des nouveaux pour carrément sortir des mots usuels auxquels on s'est habitué. Et si on regarde ça au niveau mondial, c'est intéressant. Hein, on arrive à 1000 sons différents. Alors, pour le français, on en était à combien ? 36, 39, 42, on va dire. Et pour le monde, c'est 1000. C'est quand même pas mal. Hein. Avec des consonnes, des diphtongues, les Chinois sont très forts pour... C'est plus ou moins haut, il paraît que c'est très subtil, moi j'ai pas appris.
Et puis, bien sûr, voilà, ça c'est pour les mots, hein, l'articulation des phonèmes. Puis après, on a l'articulation des mots entre eux, qui est en réalité ce qu'on appelle la grammaire. Hein, donc, voilà, le chat est sur le toit. Il y a des mots qui suivent les uns des autres, et la grammaire fait que ça vous donne du sens. Vous voyez un chat sur le toit. Moi, je le vois. Il faut peut-être fermer les yeux. Ça aussi, c'est le même phénomène que son et objet. Là, on le retrouve, phrase et image. Et quand vous êtes dans un bon roman, ça marche à plein. Vous êtes dans le roman. Hein. Les phrases que vous lisez font vivre à l'intérieur de vous le monde imaginé par l'auteur. Et les bons auteurs, ils sont capables de faire ça bien. Et vous n'arrivez plus à lâcher le livre parce que vous ne voulez pas sortir de votre monde. Et là, il a réussi son coup, bien évidemment. Et bon, il suffit de petites variations pour que ça donne plus de sens. Hein, on peut jouer avec le langage. C'est ce qu'on appelle faire des blagues. Et les chats et noirs, bien sûr, vous avez bien compris ça. Donc... tout ça, c'est les mots qu'ils font. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, je reprends de nouveau Le propre de l'homme de Alain Bentiola. En fait, l'importance de la grammaire, c'est que ça crée un ordre. Ça structure nos représentations pour former des images mentales. Hein. Le grammaire permet donc de rassembler ce que le lexique sépare. Donc les mots, ils sont séparés les uns des autres, et la grammaire les assemble. Et ce sont les mécanismes précis de ce libre assemblage qui constituent la force créatrice de la grammaire et les clés de la construction du sens. Si les langues possèdent cette capacité d'aller plus loin que l'œil, c'est parce qu'elles exercent sur les mots un pouvoir grammatical qui ne se contente pas de mettre fidèlement en scène le spectacle du monde. C'est joliment dit, non? Donc ce texte, je vais vous le donner, c'est 10 pages, il n'est pas très long, mais je trouve extrêmement parlant. Et c'est en lisant des textes comme ça aussi que je me suis dit, mais c'est absolument fondamental de lire ce genre. C'est court, hein, il n'y a pas besoin de passer des heures à ça, mais il faut faire cet exercice une fois au moins dans sa vie, je pense, pour aussi après apprendre à déjouer les pièges du langage. Car... il y a aussi ce qu'on appelle la capacité performative et de réification du langage. Alors, qu'est-ce que c'est? On va essayer de faire cet exercice ensemble. Il y a ce que j'ai appelé des mots réels. Moi, je n'ai pas trouvé un auteur qui a fait cet exercice. Peut-être qu'il existe, mais je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas non plus fait toute la bibliographie sur cette thématique pour essayer de voir ce qui a été fait ou pas. Donc, j'ai créé mes propres exercices. J'espère que ça fait sens. Donc, pour moi, il y a les mots réels. Ils correspondent à des objets matériels existants. Hein. Donc, quand vous dites chaise, vous voyez une chaise. Quand on dit table, et évidemment, on peut faire le même exercice pour n'importe quelle langue. Hein. C'est vrai pour le français, mais nous, on parle tous français ici, donc on le fait avec cette langue. On pourrait le faire avec n'importe quelle autre langue. La maison, le chien, évidemment. Hein. On voit tous quelque chose. Mais ce qui est tout de suite intéressant à souligner, c'est que on verra pas tous dans notre tête exactement la même chaise. Mais jusqu'à un certain degré de discussion, c'est pas du tout important. Prends une chaise. Alors regarde, on en voit une, hop, on l'amène. Va à la maison. Alors chacun va dans sa maison. Hein, mais voilà, ces mots, on les interprète quand même chacun à sa propre façon. Et faites-vous une image d'un chien. Si vous en avez un, bah, vous verrez votre propre chien. Si vous n'en avez pas comme moi... Je pense pas à un chien, moi je suis pas très chien. Non, c'est pas vrai. J'adore les animaux, surtout les hommes et les femmes, je veux dire. L'espèce humaine, pas d'ambiguïté. Le langage est ambigu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de mots? Ben, si je vous pose la question, d'après moi, oui, bien sûr. Mais est-ce que vous en avez à me proposer? Ben, il y a des mots concrets, hein? Exactement. C'est le plus long mot de la langue française. Enfin, hein. Et il y en a plein, en fait. Il y en a beaucoup. Là, j'ai mis une
petite série de mots que j'ai appelés irréels, parce qu'ils n'ont pas d'existence concrète. Et typiquement, demain, dont on sait, nous, qu'il va exister, n'existe pas. Il existe grâce aux mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Et typiquement, le monde animal, il est dans le ici et le maintenant quasiment en permanence. Nous, on n'est pas dans le ici et le maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la méditation et tous ces trucs, parce qu'on en a marre de se balader dans l'espace-temps tout le temps. C'est fatigant, c'est stressant, surtout quand cet espace-temps est inquiétant. Hein. Et c'est pour ça qu'on essaye de trouver des pratiques qui nous rassérènent, qui nous font voir ici et le présent. Pour moi, la méditation, c'est ça. C'est d'avoir, de cesser un moment d'être dans cette angoisse de l'espace-temps. Et le monde dans lequel on vit, encore plus, enfin, il a souvent dû être angoissant pour beaucoup de monde, mais aujourd'hui, je pense qu'on vit quand même un peu dans un monde angoissant. Donc, pour ne pas être dans l'angoisse en permanence, il faut arrêter les mots, quoi. Il faut arrêter demain, hier, il faut arrêter ce voyage spatio-temporel. Hein. Vie-mort, je ne pense pas que le chimpanzé a le concept de vie ni de mort. Alors, évidemment, quand un congénère décède, il est triste, comme nous. Mais il ne peut pas anticiper la mort. C'est ça qui fait la grande différence. J'ai mis le mot projet. Et si je l'ai mis, c'est parce que c'est un peu le propre de l'homme d'être dans du projet, d'imaginer à partir d'éléments concrets autour de lui quelque chose de nouveau. Par exemple, l'agriculture, pour pas la nommer. Un jour, on a observé que des graines germaient, donc on les a collectées pour la saison d'après, on les a semées de nouveau. C'est un projet. Et pour réaliser ce type de projet, à mon sens, on a besoin du langage. On ne peut pas le faire sans langage. Idées, représentations, bon, ça c'est des mots. Idées, quand on dit l'espèce humaine est une espèce imaginative, je pense que c'est faux. On est une espèce de parole. L'imagination, c'est la parole. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important. La création, c'est de la parole. Extraterrestre, etc. Et puis, il y a des mots que je qualifierais de réels, irréels, parce qu'on est dans la réification. État-nation, c'est un mot abstrait. Mais en même temps concret, parce que nous, les humains, on a mis des frontières. Donc il y a une dimension concrète, mais il y a une réification du territoire. Cette frontière, elle est culturelle, c'est un acte culturel, ce n'est pas un acte qui est de l'ordre de la nature. C'est un acte qui a été rendu possible par le langage, par l'idée, je décide, ça c'est à nous, et ça va jusqu'à là. Et on voit qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce jusqu'à là. C'est un peu le problème. La Constitution, si constitutionnellement, c'est un texte, bien sûr, donc il a une existence concrète, on peut mettre le doigt dessus, mais il a fallu le conceptualiser quand même à un moment donné. Ça, on ne peut pas le faire sans le langage. Et de la Constitution découle bien sûr le droit. Des institutions, des entreprises, c'est à la fois du concret et du réel. Amazon, c'est une idée. Et aujourd'hui, c'est une machine à pognon, bien entendu. C'est un mammouth qui écrase le reste du monde. Le Crédit Suisse, un peu moins, mais quand même. Google, pareil. C'est des concepts au départ, c'est des mots. C'est un langage, c'est un récit, c'est un projet. Qui modifie la vie de tous les humains, en gros. Et c'est les mots qui sont derrière tout ça. Et puis d'autres domaines aussi. Le mariage, c'est un concept abstrait. Mais à un moment donné, il y a une cérémonie qui marque le moment. Et donc, c'est la capacité performative du langage. On dit une chose. Il y a une performance qui est associée à cette chose, on la vit, mais c'est les mots qui nous disent ça. Vous allez vous marier, oups, voilà, ou vous devez vous marier, ou on va se marier. Sans les mots, ça n'existe pas, cet acte-là. Mais à un moment donné, on va le vivre. Donc, on met sa vie en mots, on met les mots en vie, en quelque sorte.
Et comme on se raconte cette même histoire depuis très longtemps, tout le monde, plus ou moins, pense devoir le faire. Alors évidemment, aujourd'hui, on prend un peu de distance avec ces traditions. Et je pense que par le passé, ça a toujours été le cas. Hein. C'est pas... Mais le monde occidental, pendant une certaine période, est extrêmement normé par rapport à ce genre de choses. Aujourd'hui, on en sort. Peut-être qu'on va y retourner. Vous savez, la pendule, hein, ça va dans un sens et dans l'autre. Ça va, ça vient. Autre chose intéressante, c'est que les liens de parenté, ils existent que grâce au langage. Hein, chez les grands singes, encore une fois, bien sûr, il y a de l'affect entre les individus, ils se reconnaissent, tout ça. Mais l'ordre des relations est provoqué ou est organisé par les mots. Cousin, cousine, frère, sœur. Alors évidemment, ça correspond à une dimension biologique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cet ordre biologique ne correspond pas forcément à la parenté telle qu'elle est décrite avec les mots. Notamment, oui. On pourrait le prendre, par exemple, le mariage à l'envers. Est-ce, si on ne connaissait pas le mot, si le mot n'existait pas, est-ce qu'on pourrait se marier ? Non. Dans les autres langues, il y a d'autres mots pour le dire. Alors qu'en fait, le seul acte qui compte, c'est la rencontre de deux individus de sexe opposé pour faire des enfants. Mais nous, on avait fait toute une histoire de ce mariage. Hein, voilà. Et c'est clair qu'il y a une utilité sociale aussi au mariage, parce qu'élever tout seul hein, ou toute seule un enfant, c'est une grosse affaire. On pourra agrandir le domaine. Moi, je serais assez partant pour ça. Mais l'argent... L'argent a été inventé parce qu'on voulait... évidemment, il y avait le troc au départ, mais à un moment donné, quand vous avez, vous avez plus les pièces pour faire du troc, bah, vous inventez un système neutre, hein, enfin, qui, de l'argent, une valeur qui permet d'échanger tant de sous contre un sac de blé, tant de sous contre une cuisse de cochon, j'en sais rien, quoi. Mais c'est parce que vous n'avez pas toujours la cuisse de cochon et le sac de blé en même temps. Donc on invente un intermédiaire qui est l'argent, hein, qui est à la fois irréel et réel. Et regardez à quel point ça marche bien. Tout le monde croit dans le dollar ou le franc suisse. Hein. Personne remet ça en question. Pourtant, on pourrait décider, tiens, ça ne vaut rien, mais il n'y a personne qui va jeter un billet de 1000 francs dans l'égout. Hein, ça. Pourtant, c'est qu'un mot. Hein. C'est qu'un mot. Le problème, c'est qu'avec 1000 francs, vous pouvez faire quelque chose dans les boutiques. Quoi. Ouais, quel scandale. C'est un très bon exemple pour prendre conscience à quel point c'est fort. C'est d'une force inouïe. Hein. Et on croit tous dur comme fer dans ces choses-là. Et donc, je pense que c'est bon. Hein, il faut pas, je ne suis pas en train de vous dire maintenant l'argent, c'est fini. Pas du tout. Mais c'est d'en avoir conscience, quoi, de prendre un peu de distance, de relativiser tout ça, de comprendre que c'est des constructions mentales qui fonctionnent super bien et qui organisent évidemment notre. Et qui contraignent bien évidemment aussi notre vie en société. Puis il y a l'ailleurs aussi. Et puis moi, il y a une chose que j'aime bien dire aussi, c'est que ben, il y a aussi la religion. Hein, sans le mot Dieu, par exemple, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu pour le monde animal. Il faut des mots pour le dire. Hein, et là, on a offert un mot particulièrement réifié, pour le dire comme ça, chosifié. Et en même temps, on sait très bien que quand on parle des religions et de leur représentation, il ne faut pas représenter Dieu. Alors nous, on ne le fait pas trop, on le fait un peu, mais chez les musulmans, il ne faut surtout pas. Pour une raison, à mon sens, assez simple, c'est que si on représente trop, on n'y croit plus. Hein ? Plus ce mot est inaccessible, plus la religion est forte. Hein ? L'image de Dieu dans le monde chrétien aussi... a été problématique, sauf erreur. Je ne suis pas très bon historien des religions, mais sûrement. Et puis dans d'autres religions, évidemment, les choses ne sont pas représentées tout à fait de la même manière, mais ça traduit aussi un rapport à l'au-delà, hein, qui est fait. Oui. J'ai un exemple. Quand Luther a traduit la Bible, la première Bible,
fois en allemand, il a traduit avec des animaux locaux pour que les gens comprennent l'histoire. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Ben, il faut aussi qu'ils rentrent dedans. Il faut que ça fasse sens pour eux, bien sûr. Et il y a quelque chose que j'aime bien essayer de discuter, c'est ce que j'ai écrit ici. Dans notre conscient, mots réels et irréels ont en quelque sorte le même poids. On ne fait pas la différence entre constitution et chaise. Au niveau de... Alors, oui, au niveau du sens, oui, mais ça a le même poids. Il n'y a pas dans votre tête un truc qui dit « Ah, ça n'existe pas, c'est une construction historique qui permet la vie en société. » Et de l'autre côté, c'est un objet construit. Vous voyez ? Tout ça est mis au même niveau, en quelque sorte. On ne met pas d'étiquette sur les types de mots qu'on utilise. Et ce qui fait d'ailleurs des difficultés de communication, parce que j'ai pas d'exemple tout à fait idéal à vous proposer là, mais réfléchissez-y, parce qu'on peut tomber dans des pièges. On pense que c'est des mots réels alors que c'est pas des mots réels, et on va venir sur quelques exemples après. Voilà, je pense que c'est important de traiter un peu de ce sujet là le déplacement, les récits réels. Les récits réels, les seuls récits réels, c'est maintenant, c'est instantané. Tous les autres sont de l'ordre du futur et de l'ordre du passé, quoi. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, donc, je l'ai aussi évoqué, cette extraordinaire capacité performative du langage. On parlait du chat tout à l'heure. Je pense que vous voyez tous un chat qui marche sur le toit. Moins que vous soyez pas très concerné. Enfin, vous voyez, il faut une implication quand même aussi dans l'histoire pour que vous le voyez. Et puis, si je rajoute encore un mot, le décor change. Hein, et puis, voilà, ça devient plus dramatique. Et il suffit que je change un mot pour que l'image mentale évolue dans votre esprit. Mais la faute d'orthographe, elle est volontaire ? Bien sûr. Elle est où ? Ah oui. Merci. C'était pour que vous voyez, vous vérifiez. Moi, j'ai un autre problème parce que je pensais à un toit plat. J'ai un autre problème avec la phrase parce que je pensais à un toit plat. Alors, il n'y a pas de fête. On fait les représentations mentales qu'on veut. Ça dépend de son histoire, de ce qu'on a envie. Il y a un jeu, mais il se passe quelque chose d'immédiat, en tout cas. Et puis, on l'a déjà évoqué aussi, donc le langage crée un ordre social, familial. Les âges, les animaux n'ont pas d'âge. Ils ont des liens. Nous, on donne un âge aux individus, hein, et ça fait des catégories d'âge. Chez nous, la majorité, c'est à partir de 18 ans. Enfin, c'est une décision de langage, hein, parce qu'on peut le faire, etc. J'ai pas besoin. Les liens de parenté, on l'a déjà évoqué, cousine, cousin, etc. Belle-maman, les prénoms. L'aristocratie, le clergé, les classes sociales aussi existent de par les noms qu'on leur donne. Hein. Bon, voilà, juste c'était l'idée que, en fait, si on a une famille avec des arrière-grands-parents, pas loin, donc une série de générations qui se succèdent, et nous on arrive à identifier toutes ces personnes, et si on regarde la manière dont le patrimoine génétique se transmet d'une génération à l'autre, on donne chaque un des deux parents donne la moitié de son patrimoine génétique à sa descendance, l'autre donne l'autre moitié. Et donc vous avez un brassage. Et vous voyez que l'ordre biologique ne suit pas l'ordre familial. Et c'est un gros sujet d'ailleurs
cette affaire, parce que en fait, on fait remonter une lignée en suivant le nom de famille, alors qu'en réalité, la biologie, elle suit absolument pas ça. Et nous, on fantasme beaucoup sur les liens de parenté, en privilégiant certains, alors qu'en fait, la biologie, elle privilégie rien du tout. C'est chacun participe pour moitié. Elle est très démocratique, la biologie. Hein, alors que la culture, les mots ne sont beaucoup moins. Voilà les âges. Et puis, alors, un sujet peut-être qui nous intéresse encore plus, puisque c'est surtout de la diversité qu'on parle dans ces leçons, bah, c'est typiquement le concept de race, hein, qui a fait qu'à un moment donné, bon, le concept de race avait d'abord été utilisé pour désigner des familles de nobles. Et c'était une manière de dire, c'est dans cette capacité régnante que nous possédons, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils par le sang, hein, qui a un déterminisme de type substantiel dans la capacité régnante d'une famille. C'est dans l'ordre des choses, il y a un déterminisme. Hein, et on a donné à ce déterminisme, oui, qui est bien d'ordre culturel, de l'ordre du récit qu'on se raconte, mais que les gens étaient persuadés, dont les gens étaient persuadés que ça existait, hein, que ça se transmettait réellement, le pouvoir, de manière héréditaire, de génération en génération. Ce n'est pas juste une petite histoire qu'on se raconte, c'est une fiction très, très forte. Et on a donné le mot « race » à ces lignées-là, hein, la race des Capétiens. Et au moment où, bon, je fais un écart un peu par rapport à mon discours, et au moment où les systèmes politiques ont commencé à se démocratiser, cet ordre héréditaire du pouvoir a été remis en question. Et c'est à partir de ce moment-là que le mot race a basculé du côté du peuple et des autres, et qu'on l'a utilisé pour parler des Noirs, des Asiatiques, etc. Et c'est intéressant de souligner ça. Alors bien sûr, le concept, il avait déjà émergé au cours du 18e. On peut même faire une histoire un peu plus compliquée, mais il n'avait pas cette force qu'il va avoir au 19e, qui est due au fait qu'on bascule d'un ordre héréditaire du pouvoir à un ordre de type plus démocratique, parce qu'on n'est pas tout de suite dans une démocratie, bien entendu, on oublie la moitié de l'humanité, en tout cas en Occident. Et puis, même aujourd'hui, je ne suis pas sûr que notre démocratie soit parfaite. Il n'y a qu'à revoir ce qui se passe chez nos voisins, où vous avez une espèce d'empereur qui dirige un pays de 50 millions ou 60 millions d'habitants. Voilà, donc, ce qu'il dit, c'est une espèce de réminiscence de cette idée que ça passe par une lignée. Et puis, l'ordre social aussi, du coup, aussi, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, moi, j'aime bien cette pyramide d'en bas, qui montre la structuration de gauche, pardon, cette structuration très forte de la société avec de nombreuses personnes qui servent quelques-unes, c'est ça finalement l'idée. Hein. Le pouvoir de quelques-uns vient de ce grand nombre d'individus qui les servent. Et on est toujours là-dedans, sauf qu'on s'en rend, on a un peu oublié tout ça. C'est difficile de s'en rendre compte aussi, parce que voilà, on a notre vie quotidienne, puis on ne voit pas les superstructures, pour parler un peu marxiste. Voilà. Et puis à droite, pour vous dire qu'il n'y a pas que chez nous qu'on fait ça. Hein, le système des castes en Inde, il s'est mis en place il y a très très longtemps. Et j'ai encore vu récemment un film au FIFDH où on voit toute la violence qu'il y a encore présente dans la société indienne due à ces systèmes de castes dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et ce ne sont que des mots. Hein. On enferme les gens dans des castes. Et alors, évidemment, ils ont envie de s'en échapper. Enfin, en tout cas, ceux qui se trouvent malmenés par ce système. Et d'autres, au contraire, les remettent dedans. Hein. Mais c'est qu'une fiction qu'on se raconte. Et c'est interdit en plus. Mais ça revient apparemment assez en force. Et en fait, donc, peut-être, voilà, c'est là où je voulais en venir. Le langage crée des mondes virtuels. Alors, j'ai dit ça une fois à des personnes avec lesquelles je parlais de langage, ils m'ont pas compris. Peut-être que vous m'avez pas compris non plus, mais je pense que c'est important. Hein, le premier des mondes virtuels que nous avons, c'est le langage.
Le langage crée en permanence des mondes qui n'existent pas. Ce qu'on appelle parfois l'ordre social ou les normes, etc. Et après, on les respecte parce qu'on croit dans ces récits. Hein ? Et d'ailleurs, si vous faites des écarts, parfois, il y a un système juridique qui vous remet dedans, ou une autorité, ou voilà. Hein ? Mais c'est des histoires, c'est des récits, des mondes virtuels qu'on s'est créés, et on vit dans ces mondes-là. Et pour en sortir, c'est extrêmement difficile. Hein, c'est difficile de changer de monde. Si du jour au lendemain, vous devez aller vivre, je sais pas, chez les Chinois, vous trouverez extrêmement mal parce qu'ils font les choses autrement. Avec le temps, vous allez vous habituer, surtout aujourd'hui, puisque ça ressemble beaucoup plus qu'à part le passé, bien entendu. Hein, mais on est à la fois réconforté de vivre dans notre monde virtuel, tout en sachant que d'autres mondes virtuels sont possibles et qu'il est difficile d'en changer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors bon, je saute là-dessus parce que Michel Serres, il dit la même chose. C'est très simple. L'homme lui-même est un être virtuel. Je ne dis pas le reste. Il passe l'essentiel de son temps à fantasmer, rêver, imaginer. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Enfin, je trouve que sa formulation pourrait être améliorée. Fantasmer, rêver, imaginer, c'est les mots qui permettent ça. Hein ? C'est le langage qui est derrière ça. Alors, la raison graphique, c'est que c'est l'idée que... Je vois que c'est déjà 15h24 et j'ai encore pas mal d'images à vous montrer. Alors, comment je vais faire ? On va faire assez vite. C'est que l'écriture, le graphisme, le graphique... La raison graphique, comme le veut le titre d'un livre très intéressant écrit par Goody dans les années 70, sauf erreur, c'est un livre déjà relativement ancien de l'anthropologue connu aux États-Unis, vénéré même, et qui rend attentif au fait à ce que le graphisme permet de faire, le graphique, l'écriture, le schéma, hein, qui sont des conséquences du mot. C'est lié. Hein, donc c'est l'écriture, les représentations graphiques, artistiques, peinture, musique, vidéo, tout ça n'est pas possible sans mots. C'est des conséquences de l'écriture et des mots et du son et des sens, etc. Le calcul, c'est d'abord des mots hein, qui ensuite sont écrits et deviennent des outils qu'on peut manipuler pour décrire la réalité, les mathématiques, la physique et tout le reste. Et puis bon, pour résumer tout ça, je vous montre juste ça. Vous avez une année sous les yeux. Bon, ça a l'air de rien, hein, c'est très ordinaire, mais nous avons une année sous les yeux. Là. Alors, je peux montrer plusieurs années, vous avez plusieurs années sous les yeux. Et je vous avais montré cette image, sans le langage qui permet les mondes, de réaliser des mondes graphiques, vous n'avez pas ça, quoi. Bon. Et puis, bien sûr, et après, il y a le récit, le livre, la Bible, bien entendu, qui fige les choses aussi. Hein, si on n'avait pas l'écriture, bah, évidemment, on a la tradition orale, mais la tradition orale, sans doute, change plus rapidement au cours du temps qu'un texte écrit, hein, surtout s'il est contrôlé, vérifié, défendu, il reste le même au cours du temps. Ce qui explique, par exemple, que... par rapport à des religions, par exemple, la tradition est forte. Hein. C'est difficile d'infléchir dans une autre direction, parce que cette tradition, elle est maintenue par l'écrit, par le récit, par le fait que ce soit gravé, en quelque sorte, dans le marbre, que ce soit devenu dur. Et la preuve que, sans langage, on ne peut pas dessiner, il y a cette petite vidéo, si tout va bien, ça devrait fonctionner. On demande à un singe, avec toutes les capacités cognitives qu'on lui connaît, il n'est pas capable de faire grand-chose quand il s'agit de représenter. Ouais, voilà, il s'amuse, quoi. Et sinon, on fait mieux que lui, c'est parce qu'on a le langage, c'est pas parce qu'on a des bons peintres. Vous voyez bien la suite, hein ? Le langage, l'abstraction, la représentation, et puis ensuite une réalisation de type artistique. Alors, c'est pas très intéressant ce qu'il fait. C'est une vague. Bref.
Absolument. Et puis, bon, à droite, pardon, vous avez un éléphant qui est en train de peindre, et puis... parfois, on dit, je ne sais plus, sur Internet, il y a une histoire d'un éléphant qui représentait quelque chose. Alors, c'est évidemment un fait, et qu'il ne peut pas faire de dessin. Un éléphant ne peut pas se dessiner lui-même. Il faut être obligé de passer... Il faut passer par le langage pour faire ça. Alors, le son, c'est un texte de Roland Barthes que j'ai trouvé très édifiant pour comprendre ce que est le langage réellement, et en particulier l'écrit. Alors, on va faire vite. Je commence à hésiter un peu sur ce que je vais vous raconter pour rester dans des temps raisonnables. Il dit cette chose importante, le langage est une législation, la langue en est le code. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir du langage. Vous comprenez ce que je veux dire ? Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue. Parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire ? Parce que c'est le même outil qu'on partage. Si je décide d'en utiliser un autre qui est différent de l'outil que nous avons, le français en l'occurrence, plus personne ne me comprend. Le masculin qui l'emporte sur le féminin. Par exemple. Et là, puisque tu parles de ça, le fait que dans la langue française, il n'y a pas le neutre, par exemple. En allemand, il y a le neutre. En anglais, il y a une espèce de neutre aussi. Mais typiquement, moi, j'avais suggéré ça à l'époque à Mme Salerno qui voulait introduire le langage épicène. J'ai dit, mais il faut surtout inventer le neutre. Alors, je sais bien que c'est une grosse affaire, mais c'est autour de ça qu'il faut discuter. Je ne suis pas très satisfait du langage épicène. Je trouve ça compliqué, pas très beau, etc. Mais inventons d'autres mots. Nous avons cette liberté d'inventer. Mais c'est très difficile de trouver la bonne solution, je suis d'accord. Mais au moins, ouvrons l'esprit et disons, c'est à cause du français, peut-être que nous sommes un peu plus sexistes que les Anglais. Je ne sais pas si c'est vrai. Sûrement pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça influe notre regard sur le monde. Nous avons le féminin et le masculin, et basta. Peut-être qu'il faudrait beaucoup plus de gens, je ne sais pas. Après, ça devient... Et aussi, pour bien comprendre ça, c'est pas cette idée de ce qui nous oblige à dire. Je vais vous afficher une image et puis je vais demander à quelqu'un de lire les mots. Qui c'est qui voudra me lire les mots que je vais afficher, là ? Martine, je te désigne volontaire. Lis les mots qui sont là. Ouais, t'es fort, là. Rouge, jaune, bleu, vert, bleu. Ouais, bravo. Mais parce que on m'avait averti. Ouais. Parce que en fait, les gens, ils disent souvent jaune. Non, qu'est-ce qu'ils disent ? Non, en fait, non. Non, non, pardon, je me suis complètement trompé. Tu devais dire la couleur, pas les mots. Voilà, essaye. Désolé, j'ai mal vendu le truc. C'est dur, hein ? Et ça montre comment les mots sont devenus prégnants. Pour un analphabète, à mon avis, ça pose aucun problème de faire ça. Mais nous sommes alphabétisés, donc nous sommes capables de lire, d'écrire. Et ce qui fait, c'est très difficile de dire jaune. Pour le premier, et rouge, pardon, etc. Donc voilà, c'est un peu cette idée de Roland Barthes, là, tout à l'heure. Et puis, une autre phrase ou une autre remarque qu'il fait, que je trouve très importante, chaque mot est un stéréotype. Nous parlons en stéréotype. Les signes n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus. De nouveau, cette instantanéité. Obligé, on est obligé de se comprendre.
c'est-à-dire pour autant qu'il se répète, le signe est suiviste, grégaire. En chaque signe dort ce monstre, j'aime bien ça, ce monstre, un stéréotype. Si nous pensons au stéréotype, c'est peut-être à cause du langage. Si nous, pour désigner les deux sexes, nous avons femme et homme, et ça crée deux catégories. Hein ? C'est le langage qui l'écrit. On pourrait imaginer qu'on a plusieurs mots pour dire les degrés de féminité et de masculinité. Hein ? On sait bien que c'est plus ou moins un continuum culturel, en tout cas. Même un peu sur le plan biologique, il n'y a pas de frontière absolue entre les deux sexes. Mais c'est le langage qui nous fait nous comporter de manière stéréotypée. C'est que ça. Peut-être pas que ça. Alors il y a des stéréotypes neutres, on l'a évoqué. Puis, il y a tous ces stéréotypes problématiques, blanc, noir, jaune. Ces trois races existent parce qu'il y a les mots, et puis on a tellement pris l'habitude de les entendre que chaque fois, quand on parle de diversité, on les évoque et on divise le monde en trois. Alors, bien sûr, il y a une dimension historique aussi derrière. Juste, faux. Des fois, c'est ni juste ni faux. Et on a beaucoup de mal à dire qu'il faut toujours qu'on soit d'un côté de la vérité ou de l'autre. Et on vit dans un système d'opposition assez systématique, en particulier dans le monde politique. Il faut être en opposition. Alors, dans les familles harmonieuses, en général, on arrive à jouer avec ça. Mais des fois, ça devient des sujets d'empoignade absolument terrifiants parce que l'un est persuadé qu'il a raison et l'autre aussi. Identité, l'identité, bon, vous avez déjà sans doute compris que c'est un mot. En fait, ça ne veut rien dire, identité. On pense qu'elle existe. Il y a une identité administrative. Ça, c'est quelque chose de très clair. Vous avez un passeport avec une croix rouge. Non, un passeport rouge avec une croix blanche. Oh là là. Tu vois, c'est pas si clair. C'est de la croix rouge. Ouais. Mais après... Les noms qu'on met dedans sont des inventions culturelles, des mots et le récit de chaque personne qui se trouve représentée dans ce bout de... C'est plus que du papier, c'est du papier compliqué avec du plastique et tout ce que vous voulez. A une vie, évidemment, qui lui est propre. On utilise ce mot pour parler d'une identité collective, par exemple. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais du fait que ce mot existe... et qu'on l'utilise, et qu'on n'a jamais dit à la plupart des gens que identité est un mot problématique. Donc les mots créent des problèmes. Métissage, c'est un mot, bon, on ne va pas le discuter ici, mais oui, on voit à peu près en quoi ça correspond, mais nous sommes tous des métissés, culturels bien entendu, mais aussi... biologique, on ne ressemble jamais exactement à ses parents, c'est toujours un mélange. Et alors, on l'utilise uniquement pour les mélanges de couleurs de peau. Il n'y a pas de raison que ce soit le seul usage de ce mot. Multiculturel, interculturel, bon, pas trop insister là-dessus. Le langage et tout ça, en fait, évidemment, nous amène à conclure ceci. Le langage est fasciste. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. C'est fort, hein ? Moi, ça m'a secoué un peu, ça me fait réfléchir. Après, il faut évidemment dépasser tout ça. Et aussi, mais je pense que vous en avez déjà tous parfaitement conscience, c'est que le langage réduit le monde à un récit linéaire. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la perception qui pourrait être holistique du monde animal, qui voit tout en même temps, mais pas complètement quand même, parce qu'il sait très bien se débrouiller dans ces milieux-là, donc ce n'est pas une masse indéfinie l'environnement dans lequel il se trouve. Mais nous, quand on parle, on passe de quelque chose qui est multidimensionnel à quelque chose qui est linéaire. Et ça, c'est très très problématique. Parce que comment vous allez faire cette traduction de multidimensionnel en linéaire ? Et là, il y a le talent, on pourrait dire ça comme ça. Il y a le juste, il y a la recherche de la vérité ou au contraire de la tromperie qui commence à entrer en jeu. C'est là où on commence à toucher à l'éthique du langage. Comment vous faites cette traduction
du multidimensionnel à quelque chose de linéaire et de fini dans le temps. Comment vous allez écrire l'histoire de France, l'histoire de la Suisse, l'histoire de... Hein ? Il y a mille manières, il y a une infinité de manières de raconter la même histoire. Quelle est la bonne histoire ? Ben, en réalité, il n'y en a pas. D'où l'intérêt de lire plusieurs livres, d'avoir plusieurs versions. Et malgré ces plusieurs versions, vous n'aurez jamais accès qu'à un tout petit bout de la réalité. C'est impossible de décrire le monde dans sa totalité. Et puis après, il y a le récit de soi. Je vous propose, parce que c'est les histoires qu'on se raconte, je vous propose d'accélérer un petit peu parce que je vois que le temps avance. On va laisser tomber ça. Les récits collectifs. Et ça, par contre, c'est quelque chose de très, très important. À un moment donné, les sociétés se racontent des histoires qui deviennent des espèces d'histoires officielles qu'on appelle... Les récits fondateurs, en général, on n'utilise pas le mot de mythe parce qu'on sent qu'il y a une construction artificielle dans ce mot, hein, l'idée d'une construction artificielle. Mais ça devient des espèces de vérités dominantes. Hein. Et on en a besoin parce que... Enfin, besoin, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Mais en tout cas, on a le sentiment qu'on en a besoin. Alors en Suisse, on a moins ce problème parce qu'on a déjà une société où il y a 4 langues qui sont reconnues officiellement. On ne les a pas fait disparaître. Il y a même une diversité linguistique importante en Suisse allemande. Et l'idée d'une identité helvétique, elle est discutée parfois, mais ça ne prend pas bien, quoi. Mais voyez ce qui se passe chez nos Français voisins. La notion d'identité, c'est un enjeu politique majeur. Hein ? Et donc, il est bon de rappeler de temps en temps que c'est une construction arbitraire qui repose sur quelques faits simples, qu'on oublie la quasi-totalité du reste de l'histoire quand on réduit le récit d'un peuple. Est-ce que ça existe, un peuple ? Je crois même pas. Enfin, à quelques mots, à une page, à Marianne, à comment elle s'appelle, celle qui... À Jeanne d'Arc... comment il s'appelle, le Gaulois, ouais. Alors nous, on a Guillaume Tell, bien entendu, hein, et puis on a le Grütli au bord du, hein, et tous ces éléments sont évidemment pertinents pour créer une identité plus large que celle de la tribu, hein. On a besoin de ces choses là mais en même temps, il faut être capable de les d'être souple avec ça. On aurait pu prendre le Grütli à Gento, je ne sais pas. Où, enfin, on a quand même notre plage là, à Genève où ont débarqué les confédérés. Enfin, voilà. La différence entre mythologie et légende contient une part de... Ben, y a toujours une part de vérité, même dans les mythes. Quand on lit la Bible, il y a bien sûr des choses qui se sont passées, quoi. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce que je trouve intéressant dans ce qui est raconté dans la Bible, et évidemment, c'est une épuration de tous les textes qu'on avait à cette époque. Hein. C'est une espèce d'accumulation de bouts d'histoire qu'on a jugé cohérents, qu'on a mis ensemble parce qu'on pensait que ça formait quelque chose de cohérent. En fait, ça raconte, à mon avis, surtout l'histoire d'une transformation fondamentale d'une société qui d'abord vivait de chasse et de pêche et qui se sédentarise. Hein, c'est l'histoire de la sédentarisation des humains qui est racontée là-dedans. Et pour le coup aussi des luttes pour les territoires et de protection des territoires et de la réduction des autres à l'esclavage parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour travailler la terre et pour construire les cités. Hein. Donc en fait, c'est surtout... une belle mythologie du néolithique, on va dire ça comme ça, du début du néolithique. Et sous cet angle, ça prend une dimension, à mon sens, très intéressante, parce qu'on voit les enjeux, quoi. Hein, on voit les difficultés. Les Égyptiens, pardon ? Les héritages des Égyptiens aussi. Oui, bien sûr. Alors, il y a les Égyptiens, bien sûr. Ouais. Il y a tous ces enjeux-là. Voilà. Donc, nous sommes des êtres de récit. Voilà. Des êtres de parole, mais peut-être surtout des êtres qui se racontent des histoires. Des histoires de soi, pour sa propre identité, et des récits collectifs. Mais n'oublions pas que ce sont toujours des fictions.
toujours. Alors, si vous voulez creuser un peu la question de récit de soi, il y a une très jolie vidéo de Boris Cyrulnik sur YouTube qui en parle très, très bien. Vraiment, c'est toujours remarquable ce qu'il dit. On ne va pas regarder ça maintenant. Et puis, peut-être, alors, voilà, on va plus ou moins terminer avec ça, je pense. Le langage permet aussi la position de l'observateur. Et ça, c'est l'autre aspect du langage. C'est qu'il nous permet de décrire ce qui est en train de se passer. Et donc de porter un jugement sur ses propres actions. Le langage nous permet de nous décentrer, de sortir de nous, de regarder avec un regard, de porter un regard critique sur ce que je fais, sur ce que font les autres. Hein ? Donc la prise de distance, la critique, la déconstruction, vous pouvez déconstruire un récit. On peut déconstruire la mythologie d'origine d'une nation. Hein ? On peut déconstruire le mythe arien qui a été monté de toutes pièces. Alors ça, c'est un exemple assez facile. Il y a d'autres mythes qui sont plus difficiles à déconstruire. Hein ? C'est en partie le travail des historiens de faire ça, de dire non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et d'ailleurs, l'essence sociale, de manière générale, passe l'essentiel de leur temps, je dirais, à déconstruire les mythes, les mythologies, les récits qu'on se raconte et qu'on prend pour des vérités. Et les philosophes, bien sûr, aussi, et les biologistes aussi, dans une certaine mesure, enfin autrement, mais chacun, en fait... La science, c'est un travail de déconstruction de la mythologie. Hein ? Donc, ça permet le déplacement. Et comme je le disais à l'instant, ben voilà quelques exemples de déconstruction. Hein ? Et le premier, peut-être déconstructiviste marquant, c'est Durkheim. Alors, je parle de manière... très ethnocentrique, parce que je n'ai pas du tout regardé chez les autres comment ça s'est passé, mais chez nous, c'est un peu... Durkheim, quand même, il marque un tournant dans la compréhension du déterminisme. Je parlais tout à l'heure de cette croyance dans le déterminisme de la transmission du pouvoir. Vraiment, les gens étaient persuadés que ça se transmettait par le sang, donc par un support matériel. Ça a été totalement déconstruit par la biologie moderne. Mais alors que ce sont des constructions culturelles, sociales, tout ça. Hein ? Les humains se mettent d'accord implicitement, inconsciemment, sur un certain nombre de règles qu'ils respectent. Et ils disent que c'est en fait déterminé par quelque chose qui les dépasse. Et ça les arrange bien. Hein ? Et ce qui les dépasse est tellement puissant qu'on n'ose pas remettre en question l'ordre tel qu'on nous l'impose. Et voilà, les sciences sociales font ça. Il y a un fameux déconstructeur, enfin encore en vie aujourd'hui, qui est Bruno Latour, qui a fait un super beau travail, notamment sur la pratique de la science, qui a remis en question cette idée que c'était des gens, extraordinairement intelligents, qui avaient des ambitions très nobles. Mais non, c'est ça, des gens comme tout le monde qui sont dans des luttes de pouvoir, qui en veulent, qui veulent être connus, qui ont un ego monstrueux souvent, qui sont prêts à écraser les autres pour arriver là où ils sont. Hein, les scientifiques, c'est pas des gens, c'est pas des chevaliers blancs qui travaillent pour l'amélioration de la vie sur la planète. Alors il y en a peut-être, mais pas seulement. Ou le goût de l'autre. Et puis cette encyclopédie critique du genre. Alors ça, j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un bouquin qui a été publié peu de temps après toutes ces manifestations. Qui se sont mis sur pied à la suite de l'adaptation du mariage pour tous. Et puis en France, il y a eu des réactions extrêmement violentes. Chez nous, il y en a aussi. Bon, comme on a organisé différemment, on les voit moins. Et on a été obligés d'écrire ce livre. On se sent des chercheurs, donc en sciences humaines, se sont sentis obligés d'écrire un pavé comme ça que personne ne lira, sauf les spécialistes, pour expliquer que le genre, c'est culturel, c'est une construction sociale. Ce qui ne revient pas à dire à nier le sexe biologique, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais pour vous dire où on en est, plein de gens n'ont absolument rien compris de tout ça. Hein. D'où cette nécessité absolue de faire cet effort, de déconstruire, de comprendre comment les choses s'organisent les unes par rapport aux autres, qu'il y a la biologie d'un côté, bien entendu, mais que nous avons un cerveau qui se construit par l'extérieur, dans laquelle on met une culture, dans laquelle on baigne, quoi. Hein ?
et que les normes sont définies culturellement par un accord implicite de l'ensemble des participants à la vie sociale, et qu'on peut remettre en question, et que ça peut être parfois très violent quand on remet ça en question, ou pas d'ailleurs. Hein. Oui. On peut de nouveau renverser un peu la phrase et dire qu'il est effectivement important de déconstruire toutes ces choses, mais que la construction de ces choses nous a permis de découvrir et d'avancer. Il y a aussi le côté positif, quoi. Ouais. Bien sûr. De découvrir et d'avancer, ouais, et de créer. De nouveau, tu anticipes sur ce que l'image. Ah bah. Je vais bientôt vous montrer. Alors, juste un petit texte de Bourdieu. Pardon, pas Bourdieu. Durkheim. Voilà, il fait cette observation absolument fondamentale, donc, à la fin du 19e siècle, 1880, sauf erreur. On se suicide généralement parce que les liens d'appartenance à un couple, une famille, une profession, une religion, une société sont défaits. C'était cette idée que cette idée romantique du suicide en Allemagne, en fait, c'était ça. On observait qu'il y avait beaucoup de suicides en Allemagne et puis qu'il y avait des vagues comme ça. Et on se disait, ben voilà, c'est l'âme allemande. C'est la nature allemande qui veut ça. Puis lui, il commence à dire, mais non, c'est une construction sociale. C'est des individus qui sont désemparés, en fait, qui ne sont plus insérés socialement. Une religion, une société, ce sont des faits. Le suicide dépend moins des facteurs individuels que des facteurs sociaux. Telle est la thèse de cet ouvrage paru en 1897, qui est globalement le plus connu d'Émile Durkheim. Enfin bref, vous avez compris l'idée fondamentale. Et c'est assez nouveau, pour ne pas dire complètement nouveau. Donc le déterminisme social, hein, qui a donc la déconstruction des mythes fondateurs et de tous les autres mythes, n'a qu'un siècle et quelques. C'est récent. En tout cas, la place que cette idée du déterminisme social occupe dans la pensée occidentale, en tout cas, et peut-être même pour le reste du monde, je ne sais pas, est assez récente. C'est pourquoi on a toujours beaucoup de peine à sortir de tous ces anciens déterminismes que j'évoquais tout à l'heure, à propos de la race, du lien par le sang, etc. C'est toujours très présent, ça, dans nos sociétés. Ces récits, ces représentations sont toujours très présentes. Et puis, donc, on évoquait tout à l'heure le récit scientifique. Et ben c'est ça. La première des choses qu'il faut faire quand on veut faire de la science, c'est admettre je ne sais pas. Donc, être prêt à entendre la critique ou à critiquer, à remettre en question. Et quand on critique, ce n'est pas toujours évident. Vous vous faites mal voir souvent, surtout quand il s'agit de dogmes très anciens, totalement inscrits dans la société. C'est un travail collectif et public, avec ce principe de réfutabilité. Tout le monde peut remettre en question ce qui a été proposé, à condition, évidemment, d'avoir de bons arguments. Si vos arguments ne sont pas bons, évidemment, vous ne pouvez pas remettre en question ces récits. Mais c'est toujours une affaire de récits. Hein. Et moi, j'aime bien dire que c'est le seul récit universel. Pourquoi ? Ben parce que c'est un récit collectif. Tout le monde peut y participer. Et c'est vrai que la recherche a cette particularité d'être pratiquée dans le monde entier, sur le même modèle. Hein. Et c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Et ils produisent un discours sur lequel ils sont tous d'accord. Alors, après, quand on n'est pas dans ce milieu-là, ce n'est pas forcément évident d'admettre ce discours-là. Hein. Ça, c'est une autre affaire. Mais entre eux, ils sont à peu près d'accord. À peu près, je dis bien. Jusqu'à la remise en question fondamentale suivante, s'il y en a une. Mais sinon, bah, ils sont obligés de... Alors, jusqu'à quel point ils sont contraints par les récits qu'ils construisent, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un peut se lever pour dire « Non, ce n'est pas comme ça. Et c'est normal. » Alors, ça ne va pas non plus être toujours évident. Et voilà, et c'est comme ça que ces récits évoluent. Et c'est comme ça, par déconstruction, qu'on est passé de cette idée de la création de la Terre en quelques jours, une évolution, etc. Et donc, voilà, pour revenir à ton idée, Claude, tout à l'heure, le langage est double. Il permet les deux. Hein, comme le marteau qui permet d'enfoncer un clou et d'enfoncer un crâne.
toutes les inventions humaines sont doubles. Et d'ailleurs, non. Donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est 52 et j'avais encore d'autres choses. Langage sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein. Et là, je trouve cet exemple donné par toujours le même Alain Bentolia dans son texte Le propre de l'homme est très pertinent. Parce que les deux phrases que vous avez ici sont construites exactement sur le même modèle, mais elles ne disent pas du tout la même chose. Hein. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale, ça c'est Archimède, dirigée de bas en haut. Elle est égale au poids du fluide déplacé et elle s'applique au centre de gravité de ce corps, Archimède. Et voilà ce que disaient les nazis. Il est une loi parfaitement démontrée. Tout juif, demi-juif ou quart de juif, menace notre intégrité nationale. Il fait subir à nos systèmes juridiques, économiques et politiques une intolérable pression. C'est le même type de phrase, sauf que dans la première, on ne peut rien mettre en question. Enfin, si on peut, on peut refaire l'expérience, mais on arrive à... Tandis que là, tout est discutable. Pourtant, la syntaxe est la même. Et c'est pour ça que ça passe comme une lettre à la poste, à moins d'avoir un esprit préparé à réfuter ce type de formulation, ce type de récit. Et ça demande un effort. Et j'aurais... si j'avais eu un peu plus de temps, je serais rentré un peu plus dans le détail. Mais en fait, une chose qu'il faut dire à tout et chacun, c'est qu'on doit apprendre à penser contre son cerveau. Hein, la critique, c'est ça. De se méfier de ses intuitions, de se méfier de ces mythologies dans lesquelles on baigne, de se méfier de ces constructions culturelles qu'on prend pour des constructions naturelles en réalité. Hein. Tout ça, c'est de l'ordre de la fabrication par des humains. Et donc, à un moment donné, il faut penser contre les clichés qu'on a appris, qu'on prend pour des vérités, etc., contre la propriété du langage. Aussi savoir que penser, ça demande plus d'efforts que de répéter de manière automatique des phrases toutes faites. Hein, critique, c'est-à-dire c'est arrêter, penser dans sa tête, formuler des phrases, dire est-ce que c'est vraiment vrai, hein. Et c'est une pratique, ça s'apprend. Il faut être prêt à le faire aussi. Puis il faut avoir des conditions dans lesquelles il est possible de le faire. Voilà, alors je m'arrêterai peut-être avec ce texte-là, parce que c'est 15h55. Le langage sert ainsi, avec le même dévouement, l'usurpateur et le juste. À tous deux, elles donnent le même pouvoir de situer leur discours au-delà du constat, hors d'atteinte du perçu. Mais c'est bien parce que la langue donne à ceux qui l'utilisent ce pouvoir démesuré qu'elle impose une exigence éthique sans faille à celui qui parle ou écrit, comme à celui qui écoute ou lit. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre en application. Et ça, c'est une autre affaire. Voilà, je m'arrête là. Merci d'avoir assisté à cette animation de Cité Senior. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de laisser un like et un commentaire si elle vous a plu. Au plaisir de vous revoir tout prochainement.